Hello guys, donc je dis à la gentille que nous avons préparé une vidéo spéciale pour question de logo, ok? Logo qui nous est supposé mettre exactement la partie ça. Nous avons préparé nous dernièrement, nous avons dit que nous ne mettons pas la vidéo parce que il a pris ce qu'il y a pour nous faire des explications que nous avons besoin pour nous, spécialement pour nous, nous avons dit que nous avons préservé une vidéo spéciale pour nous. Vous comprenez? Donc comment vous éditer une photo sur WordPress parce que les gens ont un built-in editor. Donc, yon built-in editor, c'est ça, comme si c'est yon editor que vous mettez en dedans pour faire des petits changements, qui n'est pas un gros changement, ok? Parce que bon, WordPress pas vraiment un all-in-one system, j'en pense, mais vous juste mettez des petits bagages pour faire sous lui. Ce n'est pas besoin comme si quitter CMS là. Je pense que c'est intéressant, ok? Donc, ça montre qu'il y a un niveau CMS là, vraiment puissant, mais qui niveau tout très complexe en termes de features, donc en termes de fonctionnalités. Vous comprenez? Donc, ça que nous faisons jeudi là, nous allons directement dans les médias, partie média. Okay? Nous sommes des nous ça, à chaque fois que nous devons mettre une photo sous un projet noir, assurons que d'abord nous devons comme si mettre toute photo en dans les médias section, dans la partie média. Donc, ça qui m'a fait dans la vidéo, ça, m'a profité de mettre toute photo que je pense que j'ai besoin pour projet ça. Je pense que j'ai besoin d'environ 4 à 5 photos. Donc, ça qui m'a fait, je vais aller directement sur Firefox et je vais trouver le projet originalement qui c'est Localhost et My Blog Test. Okay. Donc, si je vais aller là, je vais trouver ça là qui n'a pas ajouté à cœur, qui était censé mettre déjà, pas vrai. Je vais aller dans le blog. Je vais gagner ça. Okay. Ça, c'est une image. Ça, c'est une deuxième image. Je vais en faire deux. Et puis, ça fait 4, donc environ ça fait environ 4 à 5 photos, pas vrai? Donc ça gagne une et puis ça gagne 2, donc ça gagne fait 3 et puis ça gagne ça fait une, donc ça gagne fait 4 total. Donc ça qui nous va faire, nous va pour mettre exactement la même photo ça, ok? Donc nous va aller add new, donc n'a pas juste toute photo net, ok? Donc media section ça, partie media ça qui nous a regardé là, c'est là qu'on va mettre tout fichier qui gagne pour avec files tel que photo, audio, ça dit audio. Comme ça, toute vidéo, tout qui pas dépasser environ 5 mégabytes, on va comme ça. Ok? Mais on regarde le disons ça que maximum upload file size, et c'est 2 mégabytes. Ok? Donc, photo, je vais aller par l'eau. Donc, moi, seulement ce qui est sur select files, et vous allez dans le directory côté photo situé. Ok? Dans le photo, il y a qui peut être limité. Et puis, par exemple, qualité dans pictures. Et puis, on va aller directement dans save pictures. Je vais choisir stock image, c'est la même chose que je vais mettre stock AMG. Je vais choisir image que j'ai besoin. Ok? Donc, vous êtes capable de sélectionner par plusieurs, comme ça, vous êtes capable de sélectionner une après une. Ok? Donc, une image que j'ai besoin, c'est un ordinateur qui n'a pas de bon code sur lui. Ok? Je vais choisir ça et puis je vais faire select files. Je vais retourner dans la même directory. Et je vais choisir encore. Donc, je vais choisir l'autre encore. Ici, on a un keyboard. Donc, on regarde là pour moi qui keyboard a été utilisé. Keyboard et on a choisi ça tout avec la nous gagne un keyboard que nous avons choisi. On a juste gardé, ouais. Ok, on a choisi keyboard ça. Donc, nous voulons exactement la même photo que nous avons pris. On a pris ça, on a pris select files, on a cherché un autre encore. On a ça le côté de mon sens. Ok, il aime ça. Ok, donc nous sommes là presque une photo. Photo, nous avons un dernier gagne pour qui c'est un logo. On a toujours cliqué sur select files. Mais nous parlons dans l'autre directory que nous mettons qui c'est dans Creative Image, Creative AMG. Nous mettons genre de petit bail ça. Donc, nous allons directement dans la partie qui est partie ça là qui marque en Creative Image. Donc, c'est la PAM. Donc, nous allons choisir n'importe l'autre logo. Ok? Donc, nous allons choisir n'importe l'autre logo. Nous pas obligé pour exactement ça. Nous allons juste faire un petit logo, mais nous prenons n'importe l'autre image quelconque. Et puis, nous mettons dans la place logo. Ok? Et puis, nous choisissons ça là. Et puis, voilà. Donc, nous allons essayer de gagner tout. Tout ça que j'ai besoin pour section média parce que si j'ai regardé un projet là c'est censé photo gagner comme média bagage audio bagage vidéo. Ok, donc n'a prouvé sur ça peut-être pas peut-être non n'a prouvé sur non l'autre website côté n'a vraiment besoin ouais utilité vidéo en fait non blog des quatre quoi font post mettre une vidéo quelconque même dit nous ça c'est pas un full blog que lié donc c'est sûr que n'a gagné un full blog parmi une projet nous laisse à tout n'a pas paquet mais n'a pas guetter apprendre parce que nous voilà qu'on connecter ça les yon email service avec 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 form
avec forme qu'on va le mettre pour capturer comme si email monde vous capable faire ça pour construire des leads pour leur comme si vous voyez faire comme si email marketing pour nouveau pour sur tout bas ça sur chaque nouveau article là sur blog ok pour nous toujours update ok donc nous allons faire tout ça donc il était posé dans oui sûr donc nous seulement fait petit blog ça là juste pour capable explorer en quelque sorte d'essayer les fonctionnalités de base WordPress vous comprenez. Et puis là, et puis bon, on a ça c'est là, ok? Voilà, on change le logo à Kounia, ok? Bon, et pas changer, on a ça c'est mettre le logo à. Je sais que dans Word, tu pas être exactement dans la version originale, là, pas vrai? Donc, nous allons faire exactement le même genre, ok? Donc, nous allons compter de quelques petits challenges, pour compter ma faire par exprès même, de façon pour l'univers, pour nous qui compte qui gens pour nous résoudre ça, ok? Nous voulons mettre le logo exactement pour le permettre même gosser avec ça. Même ça arrive plusieurs fois. Côté que éditeur peut ça qu'on a bon genre de problème ça. Problème ça des fois il est difficile pour ça. Parce que gens attendent libre comme si bonne option c'est pas comme ça le bas ou le modifier image. On va le monter dans quel sens. Donc là on ouvre page d'accueil nous là parce que là nous va chercher ça c'est changer le logo hein. Et pas changer mais il en absence c'est mettre lui. N'après que là nous pas gagner du tout. OK? On y a là on a cliqué sur customize comme d'habitude nous allons toujours aller dans site identity OK même côté de mettre icône site web là c'est là nous allons choisir mettre logo on va changer l'espace ça là si on fait ça display de n'importe texte là c'est lui qui apparaît même pas besoin texte apparaît OK donc pas besoin OK exactement dit comme ça que pour une c'est pas ni title ni tagline pas avec une page OK donc il va pas toute sa partie ça ça c'est vierge pour seulement mettre logo là que on a regardé là pas vrai. Mais ça que nous allons faire, nous allons choisir là, ok, et puis nous choisir le logo. Nous allons écouter un petit problème là, c'est que vous pouvez dire comme ça que suggested image dimension, ok, suggested image dimension, c'est 240 par 240, pas vrai? Nous choisir là, ok, et puis pour raison pour l'autre, nous allons le comme ça, ok, et puis nous coupe l'image là, nous allons laisser le faire, il peut être comme ça, il peut être gros, ça arrive plusieurs fois, je vais avec un pile, ok, il dit qu'on a persisté avec ça. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous allons sélectionner l'image à 7. Ça que nous avons fait avant que même dans le même, comme si sélectionner, nous avons cliqué sur la partie qui marque Edit. Parce que WordPress est fini avec ça, il y a un built-in editor. C'est-à-dire, il y a un éditeur qui s'est tout en dans CMS. Là. Il y a un éditeur qui charge, comme si un pile fonctionnalité, mais laisser des petits bagages de base, comme si couper photo ou rotate li comme si virer changer de position tout bagage ça ou capable faire avec OK donc ça que nous allons faire là même nous allons changer dimension image nous pas changer nous pas censé couper non on a changé dimension on a passé de 318 par 307 à 118 par 107 donc on va mettre là 118 à 114 OK et puis on a cliqué sur scale OK comme ça il me vient une belle piste et me fait update OK qu'on a bien gagné là ça c'est les plus petit là pas vrai. En plus, si je connais un film qui est LPBT, ça me fait faire un là, je vais retourner encore dans la partie ça là, ça va faire un petit peu de refresh pour avoir une bonne version qui est éditée. Ok, je vais cliquer sur Site Identity, pas vrai, et je vais cliquer sur Select Logo, et je vais cliquer sur Logo, ça va faire un peu de temps. Je vais regarder le logo à bonne option, je vais voir dans les détails, ça va dire 118 par 114, alors c'est à l'aide 318 par 307. Vous songez, il y a 118 par 314. Je ne vais pas dire qualité d'image, je vais seulement diminuer la grosseur là pour moi dans la dimension et dans la largeur. Okay? Et puis, quand je vais quitter le conseil, je vais faire select. Là, je vais la bonne option pour dire que je copie l'image, je ne vais pas copier parce que je vais faire tout ça, je vais faire la déjà. Parce que je vais montrer ça qui va passer. Je vais montrer bien ça qui va passer. Là, je vais faire le logo là. C'est vrai, l'image a été modifiée tout le bagage et je vais faire select. Ouais, si je quitte le conseil, je vais faire copie image, je vais faire la bonne option. À tout le monde, je vais faire ici, à tout ça, je vais faire mes grosseurs. Vous comprenez, même ça arrive plusieurs fois, je me dis que comment je fais ça. Je fais une petite vidéo sur l'image, je vais zoomer sur moi et je perds de qualité d'image. Je ne peux pas ça. Donc ça arrive souvent. La meilleure façon pour nous changer ça, ce qu'on a fait, on clique sur le logo. Ok, le niveau est parti. Ça, on a fait select, certes. Mais le niveau là, on a seulement empêché que cette partie ça soit couvrir. Et puis, nous ne pouvons pas scroller, on a seulement skip cropping. Donc, cliquez sur lui, vous voyez, l'image va être bien normal. Même genre avec ça. Ok, ça m'a besoin d'une expérience vécue et pas des mises à me dépasser pour cette partie ça parce que me dit que quand on fait chaque fois on coupe l'image pour la bande donc ça qui a vécu nous pas beaucoup attention avec ces détails ça donc n'abscape cropping n'en absolument quitter le point de vue gens supposé il y a une idée que t'as fini éditer déjà j'aime ce modèle ok
Donc ça c'est une façon qu'on va faire. J'en capable faire tout, n'a plus mon ça net. Parce que on veut comprendre bien partie média, OK? Nous voilà dans média là. Côté de mettre image là, n'a dit les lignes pas besoin encore. Juste on va montrer nous et puis m'a ajouter image ça là encore. M'a prendre même logo ça. OK? Kounya pendant que me là, ça me fait me cliquer sur logo ça et puis me dit me veut éditer logo ça, me veut comme si tout modifier lui. OK? Me dit edit image. Là moi je la kounya là, me tout fait ça faire là dans le pays là, depuis avant me connait me boal changer logo ça me fait. Ouais, me scale de là. Est-ce que nous ça me fait? Me passer, bon retourner faire pour nous encore, m'a delete ça. Directly permanently. Me select files, m'a chercher logo ça. OK? Comme ça. Et puis moi j'ai une lame qui est sur image là, pas vrai? Je clique sur edit image. Et mal là, côté qui bam dimension, ma passé 218. Mais ça manque 218 là laptop prend professionnel dans l'autre partie, puis me fait scale. Automatiquement il vient petit ici là. OK? Et puis fini. Ou avoir dit comme ça image save, il tout save automatique, il me ferme. On y a là si n'a regarder. Mais ça c'est game ça petit. On y a là ce qui me là dans customer, puis me capable select logo, là me clique là n'a pas écrit 218 par 114, il me fait select. Là bon ça pour moi, m'pas m'a seulement retirer cette partie ça là dans comme ça, il m'a dit skip cropping. OK? Balance temps là. On reload ça, attends un peu. OK, on a pas aller dans site identity, select. Vini sélectionner là, nous fait select. Et puis me fait escape cropping. Et voilà, nous allons perdre bien normal là. Parfait, donc c'est ça. De façon, devine pas vu perdre trop flou, trop gros, c'est comme ça qu'on fait, OK? Depuis avant nous modifier, ensuite nous passer à mettre le logo à son, pas besoin d'éditer. Donc nous avons deux façons de faire la vidéo, donc nous pouvons choisir de façon de passer qui c'est pour me faire publish. OK? Et voilà, en absence de game minuit, disons, le logo a pété exactement même genre avec panneau là, c'est si n'a regardé. La jeune pas être là et c'est exactement n'a regardé comme ça que le pète dans version panneau, pas vrai. Maintenant qu'on a ça que nous va le faire, dans vidéo ça me devait faire le petit bagarre avec nous. C'est que nous devait faire menu avec nous certes, mais pour me faire menu, il t'a demandé d'abord me gagner quelques pages. Donc dans vidéo ça profiter faire une page avec nous qui c'est pas j'ai dit qui est nous hier, OK? Là dans le côté que c'est très simple, un titre et puis on un paragraphe en l'air, puis une image, tout ça, OK? Côté que bon, nous simule comme si c'est n'a parlé de comme si mon cap j'ai blog tout ça, OK? Mais il quand mettre l'autre image, nous mettre une image côté que c'est ensemble de monde qui nous réunion, OK? N'a choisi image qui ont petit peu approprié avec ça, OK? Et puis à côté image là capable c'est description à bail de image ça qui là va et puis un petit paragraphe. Donc c'est juste pour montrer nous comment faire des séries de petits bagages dans WordPress, OK? Surtout option de base, OK? Donc ça que nous va faire même dans le panneau, on ferme ça, page ça. Et puis on va dans dashboard. On va aller dans page. Dans page ça là, on a changé que nous te comme créer en première page, mais on va aller en deuxième page, on fait add new. Nous voulons faire page là exactement même genre avec j'en t'ai fait l'autre là, OK, mais même processus, OK, mais quelques différences que nous va jouer. Premièrement, OK, on a là. N'a regardé titre ça là, qui est ce nouille? Et c'est l'une boîte censée mettre là, exactement. Wow. OK? C'est l'une boîte censée, bon, fermer ça parce que nous pas besoin de. OK? C'est même titre ça. De, qui est ce nouille? Ma personne peut me copier là. Puis, ma aller là. Et puis, c'est qui est ce nouille? OK? Qui est ça qui nous fait encore? On regarde qui ça nous là encore. Ensuite, nous gagnons petit paragraphe ça qui dit comme ça, alors même si on a coupé tout le paragraphe ça net, on a coupé les, et puis nous voilà aller là, on a créé un paragraphe, pour nous mettre le paragraphe ça en fait, on a cliqué exactement sur petit signe plus ça que nous avons gardé là, et puis on a choisi qui ça nous veut mettre dans le bloc, parce que son bloc qu'on va ajouter, OK? On va dire que le bloc, ouvre son bloc paragraphe, on clique sur lui, et puis là, qu'on y a là, texte qu'on a copié, nous paste là, OK? Nous ça c'est bien. Qu'on y a là, on a gardé là, nous avons écrit texte ça. Nous avons un gros elle savait une paire de gros qui sont capables de faire ça dans WordPress. Dans l'éditeur WordPress, ça soit comment capable de faire. Voilà, nous devons la console qui est sur lui. Il y a une option qui est consacrée drop cap. Le sélectionné là, automatiquement pour imprimer la vigne plus gros. Ok, donc on a quitté le console. Ok, deuxième barre que nous avons fait encore, on a pour que l'image ça que nous avons là,
Il m'a salé dans jeu quoi mettre l'anti chant différent par rapport avec jeune qu'on a habitué mettre image j'aime te monter dans dernière fois. C'est bien ça mettre les ça aller même genre pour ça c'est toujours même pour ça mais sûr que n'a choisi l'autre bagage. On pas choisir simplement image. On applique sur ad block mais on va choisir image, on choisir media and text. On clique sur les côté que la bonne possibilité pour mettre image à yombo et puis texte à yombo. Pas vrai? Ça que m'a fait. M'a pas dans library côté me dégain ensemble d'image mais yo et puis m'a choisi image ça là pas vrai? Et puis moi fais select et puis moi ça c'est gain là et en partie ça là n'a pas impact vraiment mettre aucun texte mais écoutez mettez réunion en staff OK moi copier là tout et puis moi mettez là réunion en staff pas vrai maintenant qu'on y a plus que moi ça c'est fini faire ça est-ce qu'une barbe café ça puis petit en garder moi c'est barbe café puis ça c'est 36 en vous il OK vous il 30 OK en garder dans version originale comme pareil il peut exactement même genre avec panneau là qu'on a ça qu'une besoin encore nous besoin mettre un petit paragraphe en bas tout on a fait même genre n'a pas tellement copier un petit paragraphe là tout petit ben nous d'apprendre même paragraphe ça là qu'une n'a garde là nous seulement copier lui pas vrai et puis nous aller directement là et puis encore ça qu'une fait nous fait signe plus en qui est sur ad block comme ça capable river dans zone là tout ouais de passer sur dans zone en bas ça là ça apparaît que dit comme ça ad block ou cliquer sur lui et vous choisissez paragraphe et puis me fait paste et voilà ça c'est gain pour n'importe quel boy qui j'ai image apparaît disons que mon page apparaît on a cliqué sur preview OK et voilà nous ça c'est gain exactement même genre avec ça OK partie ça page pas totalement même genre parce qu'on beaucoup parler de widget là son vidéo à pas préserver pour lui OK on a regardé c'est exactement même genre là même genre avec ça OK qui est snouillé tout ça même genre tout bagarre apparaît pas vrai. Donc, nous devons profiter de faire ça avec nous dans la page. Donc, prochaine vidéo, nous allons faire une autre page, page qui est page qui réservée pour blog là. Ensuite, pour nous capables de procéder avec la création de menu. Hein, okay? Donc, nous allons là. Et puis, notez que prochaine vidéo, nous allons faire une autre. Page. Ensuite, tout, depuis une jeune temps, nous allons profiter de faire le menu, ça là, lié à chaque page. Pas vrai? Donc, restez branchés, nous allons prendre une prochaine vidéo, d'accord? See you next. Ciao.